Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.nCLtours.co.uk or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, at all protected. C'est une zone ignorée du monde, où s'épanouit une étrange nature. Des poissons qui sortent de l'eau et marchent sur terre. Des oiseaux qui semblent parler. Et de minuscules tortues qui vont devoir braver l'océan. Le tout construit par de formidables trompes d'eau qui rugissent en permanence. Bonsoir et bienvenue au pied des chutes de Zongo. Ce soir, votre jardin extraordinaire commence ici, sur la rivière Inkisi. Le moindre petit coup de vent trempe les spectateurs de ce fascinant spectacle de ce cours d'eau. Et le moindre petit rayon de soleil fait apparaître des arcs-en-ciel dans ses gouttelettes. Cette rivière, sa puissance saute aux yeux. Elle est pourtant naine par rapport au fleuve qu'elle va rejoindre dans quelques kilomètres. Puisqu'à l'endroit où elle se jette dans le fleuve Congo, eh bien celui-ci débite à 40 000 mètres cubes à chaque seconde. C'est comme si vous preniez le cours de la Meuse et que vous le multipliez par 100. Une telle puissance qui creuse au moment où le fleuve se jette dans l'Atlantique, une fosse de près de 1000 mètres de profondeur. C'est là aussi que se crée un milieu fascinant que nous allons explorer ce soir, les mangroves du fleuve Congo. Un milieu que les scientifiques ne connaissent pas encore parfaitement, qui recèle encore bien des mystères et où viennent se déposer ce que le fleuve a charrié tout au long de son cours, qui est particulièrement long puisqu'il fait plus de 4500 km. Il prend sa source au cœur de l'Afrique, à plus de 1700 mètres d'altitude, dans la province du Katanga, au sud de la République démocratique du Congo. C'est d'abord une toute petite rivière, mais rejointe progressivement par beaucoup d'autres, elle devient le deuxième cours d'eau le plus puissant de la planète. Dans son parcours, le fleuve Congo décrit une large boucle dans une gigantesque forêt équatoriale qui héberge une faune incroyable, dont les plus proches cousins de l'espèce humaine. Dans un pays sans route, c'est aussi une artère vitale pour les hommes. Le gigantesque cours d'eau traverse d'abord Kisangani, puis va séparer Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales d'État les plus proches du monde. Le fleuve reste tumultueux jusque Matadi et finalement s'apaise. Avant de terminer sa course dans l'océan Atlantique, il dessine une mosaïque d'îlots et de canaux. Bienvenue tout au bout du fleuve Congo, dans les mystérieuses mangroves du parc marin. Des crocodiles du Nil sur le cours du fleuve, il y en a effectivement. Il y en a ici à une quarantaine de kilomètres. Mais dans la mangrove même, là où on se trouve, ben, il n'y en a pas. Et, disons que s'il y en avait, on n'aurait pas un kayak gonflable. Anne Laudissois est biologiste et aussi carrément aventurière. Son moyen de déplacement favori dans les mangroves, ce sont ses petits canoës gonflables. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle pagaie jusqu'à ce lac situé au centre du Nil et tend l'oreille. Pour le moment, les oiseaux ne sont encore que des silhouettes. Donc là, je viens les compter tous les matins.
Donc là, on est juste sur un espace. Voilà, il y en a encore 4 qui passent. Je regarde à quelle heure ils décollent tous et puis je regarde si... combien il y en a en fait sur une heure de temps qui s'envolent. Elle compte les perroquets gris, qui ont un aspect plutôt banal, mais une intelligence exceptionnelle. Ils ont beaucoup de ce qu'ils appellent des vocalises. Donc on estime qu'il y a 15 vocalises fonctionnelles, très fonctionnelles, et puis plein d'autres en fait qui doivent être adaptatives jusqu'à 100 en fait. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des cris d'alarme, il y a des cris probablement aussi d'envol et de cohésion du groupe. Ça on sait qu'il y en a donc des couples puisqu'ils sont monogames en fait. Donc des couples vont se communiquer entre eux, pareil quand il y a les petits. Apparemment ils peuvent même reconnaître le cri de leurs propres oisillons. Donc c'est surtout pour les collisions sociales et alarmes, bien entendu. Ici, il y a des prédateurs, il y a quelques vautours qui traînent autour du lac. Et systématiquement, il y en a qui attaquent. D'ailleurs, il y en a un qui est posé là-haut. Déjà au temps de l'Antiquité, les perroquets étaient capturés et envoyés vers l'Europe. Mis en cage pour leur capacité à imiter des mots ou des phrases entières et capables de les replacer au bon moment. Une intelligence qui, paradoxalement, menacent leur survie. Chaque année, des dizaines de milliers de perroquets sont exportés illégalement vers l'Europe. Si on veut donner des chiffres, en gros, ce qui est saisi chaque année dans des aéroports en Europe, c'est plus ou moins de l'ordre de 100 000. Et on estime qu'ici, du Congo, c'est le deuxième exportateur, avec 46% quand même des exportations. Et les plus grands importateurs, c'est les Pays-Bas et la Belgique et l'Afrique du Sud. Si ce dortoir à perroquets est préservé, c'est qu'il se situe au cœur même des mangroves et que l'accès à ces îles est particulièrement difficile. En réalité, ce ne sont même pas de véritables îles. Il n'y a pas un centimètre carré de terre en surface. Ce sont uniquement des arbres qui poussent sur l'eau. Pour y accéder, il faut se glisser entre des racines qui tombent du ciel. Ces arbres ont trouvé des stratégies pour conquérir le milieu aquatique. Un territoire hostile pour ces végétaux, car la teneur en sel dans l'eau est très importante. Entre le fleuve et l'océan, les mangroves sont aussi un refuge, une barrière protectrice. Ici, on va rentrer dans une de ces fameuses cages formées par les racines des mangroves, des palétuviers, pour être exact. Donc les poissons viennent frayer, les alevins sont ainsi protégés des prédateurs. Alors les racines, oui, sont projetées par le tronc depuis la plante. Donc il y a un tronc qui est, on va dire, la plante mère initiale. Et elles projettent des racines adventives, donc des racines aériennes, vraiment comme des échasses pour se maintenir aussi, pour bien s'ancrer, puisque en fait, au départ, il n'y a pas vraiment de sol. Donc tu as une plante qui va tomber et qui va commencer à donner naissance à un arbre. Et cette espèce-ci notamment est une espèce qui conquiert de nouveaux endroits, une espèce pionnière. Mais partout sur la planète, la plupart des mangroves ont été rasées ou détruites les dernières décennies. Le risque est grand de le regretter un jour, car les mangroves constituent une protection naturelle contre les grandes marées ou d'éventuels tsunamis. La destruction des mangroves entraîne aussi un plus grand risque de pénétration d'une grande vague à l'intérieur des terres. Donc maintenir une mangrove en bonne santé, c'est aussi se protéger contre ce genre d'événements. Dans cette cathédrale végétale, difficile de sortir des canoës. Mais notre biologiste aventurière est aussi une ancienne championne d'escalade. Elle a repéré un endroit propice pour aller installer un piège photo. À plusieurs mètres de haut, cette branche semble fréquentée par des animaux. J'essaye d'avoir des photos des animaux. Donc ce sont des pièges photos. Donc c'est des appareils photos qui déclenchent au passage de ce qui passe devant. Donc ça peut être un animal, on espère, la plupart du temps. Et en gros, ça fonctionne comment? Tu peux mettre. Tu as des vidéos et des photos qui se déclenchent. Et donc, tu peux faire des photos, la journée, elles seront en couleur,
et la nuit, elles seront noires et blanches. Donc même la nuit, tu as les animaux qui peuvent passer. En restant en place quelques jours, voire quelques semaines, les pièges vont révéler la présence d'animaux difficiles à apercevoir. Une fois ces pièges installés, Anne continue sa route sur les petits chenaux. À certains endroits, la terre commence à s'accumuler et à créer de véritables îlots. Les berges abritent des animaux étonnants, qui semblent à un stade intermédiaire de l'évolution. Les périophtalmous, ou poissons-grenouilles, sont capables de sortir de l'eau. C'est un poisson qui marche sur ses nageoires pectorales, qui marche hors de l'eau, qui peut passer beaucoup de temps, jusqu'à 24 heures hors de l'eau. Parce que de nouveau, il vit dans un environnement hostile, mais ils en ont développé des adaptations physiologiques assez impressionnantes. S'ils doivent échapper à un prédateur, par exemple, quand ils sont dans l'eau, eh bien, ils vont vraiment faire un peu comme les poissons volants, en fait. À part que là, ils sautent vraiment par petits bonds sur l'eau. Aussi, ils creusent des terriers. Déjà, un poisson qui creuse un terrier, c'est pas très classique. Et il le creuse et il a cette faculté de pouvoir stocker de l'oxygène dans sa bouche et d'amener ces bulles d'oxygène dans son terrier pour pouvoir, à marée haute, encore profiter de l'oxygène. Ça permet aussi, quand ils ont des œufs, de les maintenir en fait, avec un certain niveau d'oxygène. Parce que ces bouts-ci en fait, de mangrove sont totalement, enfin, quasi anoxiques, quoi. C'est plein de soufre. À côté de ces étranges poissons, vivent des crabes aux couleurs étonnantes. Ils sont des milliers à arpenter les berges. À première vue, le spectacle est même un peu inquiétant. Pourtant, ils se contentent la plupart du temps de filtrer le sable pour ne manger que des micro-organismes. Si tu vois, ils sont très actifs là pour le moment. Ils sont un peu détritifages, donc ils vont prendre la boue ou le sable et ils vont amener ça à leur bouche, ils filtrent, ils ramènent les particules et ils recrachent des petites boulettes de sable. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Ils trouvent un tout petit peu de choses à manger, ouais, dans le sable. Ce qu'on appelle... donc tu as des détritus, en fait, de la matière organique qui s'est déposée ici à chaque marée haute. On pourrait appeler ça du microphytobenthos, en termes très scientifiques. Mais bon, c'est tout ce qui se dépose au fond quand tu as une marée, enfin quand tu as l'eau au-dessus, et puis quand elle se retire, tout ça est laissé là. Et donc là, ils font le tri, quoi. Quelques jours plus tard, à la paillote qui lui sert de bureau, Anne branche les pièges photos qu'elle a récupérés. Les placer au bon endroit est extrêmement difficile. Mais les résultats peuvent révéler des animaux qu'on voit rarement d'aussi près dans la végétation dense des mangroves. Les pièges photos nous aident à étudier des animaux que l'on ne voit pas nécessairement ou qu'on voit de loin, mais jamais de près. Donc en plaçant les pièges photos dans des endroits où ils passent, eh bien, forte chance qu'on ait l'animal en train de faire un sourire à la caméra. Sur les derniers mois, il y a eu le singe, un singe qu'on avait déjà vu et qu'on voit de manière furtive quand on se déplace, mais qu'on n'avait jamais vu de près. Et donc ce singe, c'est un cercopithèque à Scagne. Et puis il y a le vautour, un vautour palmiste, qui est très abondant ici, mais qui est protégé par la loi congolaise. Une bien belle moisson. Mais c'est un piège tourné vers l'eau qui va révéler les images les plus exceptionnelles, bien qu'il faille les décrypter. Ce mouvement furtif, c'est celui d'un lamantin qui vient respirer en surface. Un mammifère marin qui vit dans ces eaux tellement troubles qu'on ignore à peu près tout de cette espèce. Des images fugaces qui devront être confirmées pour certifier la présence des lamantins au parc marin des mangroves. Le bureau de Anne est basé sur une île entièrement recouverte de coquillages. Ils sont tellement nombreux qu'ils rehaussent le niveau du sol tapissé de ces coques nacrées. C'est le fruit d'une longue tradition. Les coquillages sont bouillis puis ouverts, enfilés sur des brochettes
et amenés au marché voisin avant d'être vendus pour quelques francs congolais. Cette pêche est pourtant un travail de forçat. Chaque matin sur le fleuve, les pêcheurs et surtout les pêcheuses, car c'est plutôt une activité de femme, plongent à plusieurs mètres de fond, dans un courant fort et une eau boueuse sans visibilité, pour remonter ces coquillages. Source de revenus pour les rares habitants du coin. Les habitants des mangroves ne craignent pas pendant la pêche les crocodiles. Ils se méfient en revanche des derniers hippopotames. Fini les canoës gonflables, trop dangereux. Notre embarcation a changé. Car même en restant à distance, notre guide, Luis Engeli, se méfie. Réputés dangereux et imprévisibles, les hippopotames sont craints. Et le nom du grand mâle n'inspire pas la confiance. On est sur le secteur avec les tout derniers hippopotames du parc marin des mangroves. Il serait encore 4 ou 5. On en voit au moins 2 qui passent de temps en temps la tête. Et donc on peut les observer très très furtivement. Ils montent, ils descendent, ils viennent prendre de l'air à la surface avant de replonger. Ça c'est pour la bonne nouvelle, c'est une belle observation. La mauvaise nouvelle c'est que le mâle du groupe s'appelle Rambo. Et ce surnom lui a été donné pour son attitude assez agressive envers les pêcheurs, les pirogues et les barques. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on le voit vraiment sortir et rentrer dans le même axe que les pétroliers. Il y a des gros bateaux remplis de pétrole qui circulent. Ça représente bien la vie du fleuve, la vie commerciale du fleuve. Et puis juste devant, ces hippopotames qui représentent les derniers aspects naturels de ce fleuve, les derniers animaux de cet endroit. Plus loin, la patrouille tombe nez à nez avec une barque chargée de bois qui semble avoir été coupée illégalement. Un dialogue musclé s'engage, machette à la main. L'homme n'est pas arrêté, mais condamné à jeter le bois qu'il a coupé. D'après lui, il s'agit de bois mort, qui ne vient pas de la mangrove et qu'il est permis de ramasser. Mais il y a un test sans appel. Le bois de la mangrove est extrêmement dense. S'il est jeté à l'eau, il coule. Ce qui est bien le cas cette fois-ci. Mais les arrestations sont peu nombreuses. Et les voleurs de bois rarement arrêtés. Les gardes ne sont que quelques-uns pour protéger cet immense territoire. À cette époque de l'année, les gardes travaillent sans relâche. Après les patrouilles de jour, José Matondo et ses équipes enchaînent pour parcourir toutes les nuits les plages du littoral congolais. Il est long d'à peine plus de 30 km, mais réserve bien des surprises. Ok, on a trouvé les œufs. La tortue, quand elle pond, elle cache ses œufs. C'est pourquoi, après avoir pondu, parce que la tortue fait ça. Elle vient, elle pond ici. Mais elle part aussi de l'autre côté pour aller masquer un peu. Par équipe de 3, les gardes marchent toute la nuit pour repérer des traces à peine visibles dans le sable. Les œufs se trouvent à une trentaine de centimètres de profondeur. Nous avons pris ça comme ça. Nous allons aussi déposer comme ça. Et lorsque vous allez transplanter aussi les œufs, on prend ça même position. On les retourne la même position. Donc vous ne pouvez pas prendre les œufs comme ça et vous tournez comme ça, ça ne va pas mettre. Donc que les œufs restent intacts, immobiles là-bas. Les œufs sont placés dans un seau et transférés vers une écloserie pour éviter tout braconnage. 23 œufs par année. Jusqu'au petit matin, les patrouilles ramènent des centaines d'œufs à l'écloserie. Ils vont les enterrer exactement comme ils les ont trouvés. Et ainsi, les protéger des prédateurs rats et crabes et des hommes avec leur construction parfois trop envahissante. On voit déterrer les œufs là-bas
et venir mettre ça ici pour la protection. Comme il y a des gardes ici, les braconniers, les gens ne peuvent pas venir ici prendre les œufs. Et par là, on va les arrêter. Mais quand les bébés vont sortir, on prend les bébés, on les fait retourner à l'océan. Ici, les œufs sont aussi à l'abri des marées. Car les constructions, parfois illégales, empiètent tellement sur la plage que les tortues n'ont plus de place où pondre. Trop proche de la mer, la ponte risque d'être noyée. En venant pondre, ces géantes à carapace sont aussi menacées par les filets de pêche aux mailles trop serrées. Les plages surfréquentées ne facilitent pas non plus la vie des quelques tortues qui s'y aventurent de jour. Cette tortue olivâtre a été surprise par l'arrivée du soleil. Mais heureusement pour elle, ce sont les gardes qui l'ont trouvée. Allez. Ils en profitent pour la mesurer et l'inspecter. Et ce n'est pas la première fois qu'elle est prise. Donc ici, particulier, plastron cassé. C'était une tortue qui était attrapée par les filets. Et c'est pourquoi elle a une blessure ici. Elle est plastron. Vous voyez comment ça fait, comment ça bouge dans le fumat. Mais il était attrapé par les braconniers et ils ont voulu tuer ça. Mais la tortue a échappé. Je sais que la tortue a échappé parce que rien à faire, ça ne peut pas faire comme ça. Les tortues ont un autre ennemi, le plastique. Elles confondent les déchets avec les méduses dont elles raffolent. Ingurgiter du plastique les met en danger de mort. Et des déchets, il y en a beaucoup. Et ici, nous récoltons dans des 120 sacs par mois. Au bout d'un fleuve de plus de 4500 km de long, les plages du delta du Congo reçoivent des tonnes et des tonnes de déchets plastiques. Ça vient du Congo-Brazza, ça vient de Kinshasa, ça vient de Boma, ça vient de Matadi, et ainsi vers Kimwabila. Malgré ces tristes récoltes, les plages congolaises restent exceptionnelles pour les tortues. 5 des 7 espèces marines de la planète viennent pondre ici et toutes sont menacées. Une cinquantaine de jours après avoir été enterrées, les œufs de la tortue olivâtre ont éclos pendant la nuit. Chaque matin, au soleil ou sous la pluie, l'opération se répète. Les petites tortues d'à peine quelques centimètres sont conduites à l'océan par les gardes. Grâce à cette aide, elles ont déjà évité les prédateurs des plages, oiseaux et crabes. Minuscules face à l'océan, la lutte pour la survie va être terrible. Seule une sur 100 environ atteindra l'âge adulte. À l'eau, elles ne toucheront plus terre pendant des années, jusqu'à revenir pondre à leur tour sur les plages qui les ont vues naître. Au large, elles croiseront certainement ces grandes plateformes pétrolières. Le risque d'accident n'est bien entendu pas nul. Mais la société d'extraction laisse à nos caméras la possibilité de visiter toutes ces installations, sans qu'on puisse y déceler la moindre pollution visible a priori. L'entreprise possède aussi des puits sur terre. Et les ONG locales dénoncent l'enfouissement de déchets polluants, le manque de redistribution des richesses et les dangers environnementaux. Mais aidés financièrement par les pétroliers,
Le directeur du parc des mangroves assure lui que le danger d'une marée noire est assez faible. Au niveau du parc marin des mangroves, il n'y a pas d'exploitation pétrolière. L'exploitation pétrolière se fait aux alentours. Elle n'est pas éloignée, évidemment, mais elle ne se trouve pas dans le parc marin des mangroves. Donc le parc est préservé de la pollution au pétrole brut. Son plus gros reproche, c'est l'afflux de population liée au pétrole. Des dizaines de milliers de personnes ont été attirées dans la région dans l'espoir d'un travail. Et elles font désormais pression sur les mangroves. Davantage qu'un risque de pollution, ils redoutent aussi que le parc ne soit déclassé par les autorités et envahi par des constructions sur les plages. Elles sont déjà de plus en plus nombreuses. Plus un mètre carré de sable n'est totalement à l'abri des grandes marées. Notre expédition sur le fleuve Congo touche à sa fin. Mais une aventure exceptionnelle nous attend encore. Alors que la plupart des habitants et des observateurs doutaient même de leur existence, plusieurs lamantins ont été confisqués vivants. Saisis par les gardes, ces animaux inconnus de la science ont été abrités dans ce bassin et attendent d'être remis en liberté. Avant celle que vous voyez, il n'existait pratiquement aucune image de ces animaux dans le fleuve Congo. La rumeur populaire voulait même qu'ils aient disparu. Une espèce qui avait pourtant inspiré bien des légendes. La famille des lamantins à laquelle appartiennent les lamantins sont les sirénidés. Donc un peu la légende des sirènes viendrait notamment de ces animaux. Quand ils sortent de l'eau, quand les femelles en particulier sortent de l'eau avec de la végétation sur la tête, comme ça, on avait l'impression que c'était des femmes. Et puis comme elles ont une poitrine, bah forcément, on pensait que c'était des femmes poissons, quoi. Ce jour-là, il faut presque une dizaine d'hommes pour sortir les plus grands. L'épreuve est rude pour les animaux, mais pour la scientifique, c'est aussi une aubaine. Ici, comme il est déjà blessé par les filets, je prends juste un peu de peau. Comme ça, on va le nettoyer, voilà, c'est une bonne idée. Leurs corps sont parcourus de cicatrices. Ils ont été pris dans des filets, capturés par des pêcheurs qui les braconnent pour vendre leur viande. 48. 128. Mais ceux-ci vont pouvoir être relâchés. La brève captivité de ces lamantins va permettre à la scientifique d'avoir la chance unique de les voir de près, de les étudier, les mesurer, faire des prélèvements pour analyse. Comme ce sont des mammifères marins, ils n'auront pas de mal à respirer hors de l'eau. Par contre, la chaleur et le manque d'humidité risque de les tuer rapidement. Son souffle est chaud. Sans perdre de temps, ils sont embarqués. Et pendant tout le trajet, les gardes vont devoir les arroser continuellement. Puis finalement, à l'endroit même où ils ont été pris, en quelques secondes, c'est la remise à l'eau. Avec l'espoir de ne plus jamais les revoir prisonniers. Oui. Sirène du fleuve, île de coquillages, tortue qui court vers l'eau, poissons qui en sortent et marchent sur terre, crabes violonistes par milliers. Nous voici au terme d'une aventure et de découvertes fantastiques dans un milieu aussi beau que fragile, les mangroves. C'est ici que se terminent nos aventures et notre découverte des mangroves du fleuve Congo, un milieu exceptionnel, mais aussi particulièrement fragile. On estime qu'au niveau planétaire, de 30